Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Si tu vas mourir, nous avons mis un conseil de groupe monde qui t'a boumé, des suspicions sur nous, tout ça va le dire pour nous media. Je sais ça chercher. Je me disais justice. Je me disais justice pour nous faire justice pour monsieur parce que monsieur mourir nous façon que nous. Justice et réparation. Monsieur mourir nous façon qui doit que nous ne pas comprendre. Tout à l'heure, on parlait de 6 mètres carrés du Matisse. Après, c'est par rapport avec les mêmes effets que l'éclairé jour pour connaître comment l'envoi qui doit sortir. Mais est-ce que nous avons l'idée de réellement qui ça fait mourir? Oui. Est-ce que c'est qu'on est à moi-même, pas contre mon nom, mais c'est ça que fait moi-même, c'est prier, qu'on prie moi-même. Et toujours dans le jeune mal et prier, toujours prier. Quand il y a le problème qui vient arriver, grosse de bagaille, c'est parce qu'à l'aide de. C'est à l'aide de M. Caleb. Parce que M. Caleb, tout le monde, nous toujours habitués ensemble avec lui. Mais c'était pour en prison déjà. C'est M. Caleb qui vient là dans le paquet, vous comprenez? Qui fait qu'il règle toute bagaille pour moi, vous comprenez? Qui fait toute bagaille, qui règle toute bagaille. On va qui fait ôter la guerre, monsieur. Monsieur, son équipe passe en pile misère dans le bail politique. Monsieur, quand nous venons, il saute dans la manifestation, l'elle vient, monsieur, quand grand goût, il n'a pas mangé, c'est moi-même comme s'il a dit, papa, depuis le matin, je vais manger. Et puis, c'est pour nous aller comme dans le prochain, pour nous aller pour manger. On va sortir, nous baille toute être, nous toute vie, nous. Madame, moi, baille toute être, toute ville pour monsieur. Nous, petit, moi, on va façon que nous vivons ensemble, monsieur. C'est bon, si mon quelques mois. Non, c'est mon tout patron. Mais écoutez, papa Tiblan, nous connaissons un problème de sécurité à nous faire dans le pays. Est-ce qu'on pas peur qu'on y a là pour sécurité? Je ne sais pas pour sécurité. Bon, et puis si tu l'as mis en pile de mouille, même si mouille, même ça va dire. Ça va dire un moment que mouille, on va dire que mouille en pile, bon, les mouille. Parce que les missions mouillées à terre, les JDP a venu, c'est moi-même comme si JDP a fait plan. Prendre tête liée à terre pour me lever, le comprendre, parce que je suis 3 balles, je suis 2 balles dans la bouche, et puis je suis dans l'autre balle comme ça encore. Et puis il fait une grande balle, il tombe à terre, et je lève, et je prends tête liée à terre, me lever pour me montrer que j'ai à côté de la balle. Après ça, c'est bien, je pense que je ne vais pas nous montrer que je ne vais pas. Bon, et je suis capable de dire que c'est celle et Yuri Latoti. C'est lui-même comme si qui aidait. Et Timouna parfois, on comprend toujours aider lui, il connaît voyer comme pour Timouna aider Timouna, il t'est même arrivé fait chèque il te bail même pas qu'on est sur bail comme sur. Espadi Veguer à la tête à Alternative Syndicale du personnel du MAST avec Fredlin Zifir, membre syndicat, averti dans une conférence pour la presse, il n'est pas d'accord pour parti politique qui vient remplir le ministère des Affaires sociales et du travail avec nous sous contrat pour lui-même, il n'est pas venu de problème pour le toucher. Le représentant syndicat a dénoncé l'autorité, il dit qu'il est toujours à bail contrat zombie, il a profité de l'occasion de demander au nouveau ministre des Affaires sociales la plus bonne condition de travail avec l'aide nomination pour tout le monde qui est sous contrat. Espadi Veguer avec Fredlin Zifir, l'un après l'autre. Nous disons non. Que nous pas d'accord parti politique veut municien pour venir faire ministère tourner même gens avec 2016. Donc nous demandé ministre Rico Ariel Banou son gros coup de bidon. Non seulement employeur accepté, nous acceptons employeur d'accord, nous d'accord Rico tout. Parce qu'il est là dirigé, il dirige avec caractère. Nous demandé un, il faut que les budgets c'est 4 débits. Deux, il y a 401 promotions qui ont souffert depuis 2016, qui ne peuvent jamais agréer, il faut l'agréer. Trois, il faut faire ajustement salarial. Quatre, il y a un contrat réel qui descend à 250, il faut procéder à la nomination. Cinq, il faut qu'il retourne à un restaurant communautaire, réactiver la cantine populaire, retourner avec. Fonds pour organisation sociale. Il faut que le ministère soit présent dans toute activité culturelle. Si tout, dans le mois de décembre, nous avons fait fin d'année, le peuple a grand goût. Et pas seulement le ministère des Affaires sociales, c'est un grand goût. Tout le peuple a grand goût. Vocation du ministère des Affaires sociales, c'est des gens qui pauvres. Nous demandons des ministres qui courent. Il faut endosser toute responsabilité ça, pour ne pas marcher dans la logique, pour ne pas passer même avec le ministre des Affaires sociales. Nous demandons, il faut que nous touchions à l'air. Nous ne pouvons pas toucher sur moi et demi.
Il y a toujours assurance sur nous, nous ne pouvons pas jouer l'assurance. Et puis tout nous avons quatre qui était bien 28 mois. C'est en ma bataille, nous, en ma stratégie, nous-mêmes, nous devons. Qui va jouer sous budget et établir nos budgets. Nous avons 4 mois. Ça veut dire. Nous toujours là, nous n'avons pas ces misères. L'autre de nous-mêmes, petit personnel, nous n'avons pas total bouquet. Ni employé, c'est caché, nous n'avons pas caché. Nous tellement de dettes. Petit dans les vols, c'est sous fouillard. Nous voulons les gars sous fouillard. C'est qu'à planer, qu'à bébé nous, planer et égaler nous. Ça veut dire, nous allons bien, nous allons là, mais parler. Moi, je demande, ministre Rico, qui sont au cadre de ministère, qui au cadre de ministère. Nous ne pouvons pas passer déjà, parce que c'est même employé qui prend conscience, c'est eux-mêmes qui crasent le ministère dans mode de fonction, parce que le parti politique voulait. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de parti politique. Nous avons besoin de faire du travail qui pour lever le ministère en dignité. Parce que le ministère va fonctionner comme ça. Le ministère, nous devons vivre, on parle de vivre, l'est pour les fêtes. Direction programmation, festival film documentaire, les rencontres du documentaire en Haïti, lancé lundi à 3e édition festival ça, qui ouvre même jour pour finir 12 décembre sous thématique zombie. Mais en conférence pour la presse dans l'Institut français, responsable programmation Samuel Suffren déclaré à Nessa, direction festival l'a proposé thématique zombie parce que manifestation audiovisuelle ça, c'est un espace pour questionner société. Les préciser a bien exposition, conférence débat, projection et puis intervention conférencier tant coup écrivain Lionel Trouillot et Emily Prophète. Samuel Suffren, dans le micro Joubert Joseph et Jude Malestra. Troisième édition des rencontres du documentaire en Haïti. Du 6 au 12 décembre à Port-au-Prince, année nous proposer une thématique là, qui c'est zombie, parce que depuis la première édition, donc, on était toujours l'espace ça, c'est un espace pour questionner la société, là, pour les garder ce qui a passé, mais tout pour lui proposer un miroir, parce que zombie, parce que je vous dis, plus que jamais, Haïtien a besoin de sel, le monde a besoin de sel. Et nous faisons focus et Anéa sur Tony Mélisa, qui sont photojournalistes haïtiens, qui mourit en 2013, malheureusement. Mais nous pensons que médium, ça c'est un médium qui va assez reconnaître dans le pays comme travail. Et puis le travail de Tony Mélisa était impacté. Ou bien c'était un mec qui était qu'on a créé mémoire, mais qui a archivé et il y a. Donc du coup, nous portons nos gars ça vers Tony. Une exposition que nous avons fait dans la rue Port-au-Prince, dans l'avenue N, droit du jour, c'est une exposition murale et avec plusieurs clichés, plusieurs photos qui nous dévisent. Nous faisons ça parce que nous pensons que Tony, son photographe Larry, Tony, Larry a c'est un plus bel espace qui était exposé, Tony Mélisère. Et puis justement, nous continuons avec le centre de projection du haut, qui a commencé aujourd'hui à avec Ghost of Cité Soleil, 3h PM dans Cinémathèque. Ghost of Cité Soleil, son film qui est important pour nous. C'est peut-être ça nous voulons en continuer avec, parce que son film qui garde le phénomène de gangsterisation dans le pays, et puis qui permet de nous comprendre que l'histoire, si nous pas faire l'histoire, on a pensé le phénomène de la journée, mais là, longtemps, et c'est reproduction, oui. Et pendant toute semaine, on a mis de projection à 3h dans Cinémathèque. Après ça, nous avons deux conférences, deux séries de conférences avec Lionel Trouillot et le prophète. Il y a une conférence encore à faire pendant l'activité. Et puis particulièrement, nous lançons plusieurs ateliers. Et le atelier initiation à l'écriture de films documentaires, nous avons un atelier précisément pour les femmes. C'est un atelier photojournaliste. C'est inciter ou bien faire en sorte que les plus femmes qui ont embrassé le métier photojournaliste dans le pays. Et puis ils font masterclass en ligne, qui c'est un masterclass sur la production. Donc ça varie entre conférences, ateliers, expositions, projections pour rencontrer Anéa. Nous vraiment remercier partenaire Focal, Institut français, qui est toujours accompagné nous, Anéa, qui l'a encore. Et puis nous remercier partenaire qui donne l'espace pour le centre d'art.
pour Yann Valou, tant pour Cinémathèque qui pourrait tout espace ça, c'est l'espace que nous vraiment été reconnaissants envers eux-mêmes. Donc, Rencontre du documentaire, c'est un festival qui garde les médiums documentaires, ça veut dire photographie avec vidéographie, cinéma. L'objectif principal, nous, c'est diffuser le plus que possible les documentaires dans le pays et puis inciter beaucoup plus de jeunes à embrasser le métier, ça qui c'est le documentaire. Et amélioration, je ne sais pas, mais justement, il y a des nouveaux. Et bon, déjà, c'est des nouveaux films à chaque fois, c'est pour des nouvelles éditions. Et puis, focus Tony Bélizer, son photographe qui n'est pas là, son bail nouveau dans le pays pour nous. Mais deuxièmement, bon, l'autre bague encore, c'est que nous bénéficions de l'atelier qui va être là l'année dernière, enfin, pour atelier photojournalisme. Pour les femmes, ça part là. Docteur Odile L'Espérance, condamné à attaque individuelle, examen fait sous collègue lui, docteur Mackenzie Guerrier, samedi 4 décembre, sous Boisvena. Dans le moment, docteur Mackenzie Guerrier est sorti dans la clinique lui. Action ça révolté en pile docteur dans le pays à côté professionnel santé ou pas suspendre victime, il m'en bat insécurité, surtout avec kidnapping. Docteur Odile Espérance qui a participé dans l'émission Mise au point, m'a dit solidarité en faveur docteur Mackenzie Guerrier. D'après docteur Odile Espérance, situation confrérie grave en pile après attaque à la qui m'a dit aller prendre soin dans l'autre pays. Il extrait dans le micro, Jean-Serge Nolendo. Et samedi, docteur a travaillé pendant toute journée à la clinique li, qui sous Boisvena. Samedi 4 décembre. Yes, exact. Donc l'un fin de travail, l'étape descend sous Boisvena, il gagne un espace côté que il fait cap aménager pour que les fait un business dans la zone. Là, il regarde comment travailler en fait, c'est pendant que l'ap descend et puis gagne des individus eux-mêmes qui ont l'autre machine qui va les âmes sur le docteur et puis il dit lui pas bouger. Bon, il juste déplacer machine même par contre si c'est émotion ou bien dévelé échapper à kidnapping et à partir de là yo tirer sur le docteur. Malheureusement, il prend une balle dans le dos, dans le niveau omoplate et puis il prend l'autre qui est dans une zone extrêmement difficile, qui c'est dans la colonne vertébrale, là, dans le niveau 7e vertèbre cervicale, là, côté que les sectionnés moelle et pignol. Alors, vous savez qui fait ça, il était dans une zone, information bien, il était là depuis quelques temps, bien, il est passé. L'information nous gagne, c'est que nous avons une machine, d'après ça, nous avons un requin blanc, et puis probablement il était stationné, il a contrôlé. Et puis à partir de là, il est intervenu sur le docteur, et puis il n'a pas campé, et puis il a tiré. Ça passe dans qui ça passe après-midi, bloc 5, 6 heures environ, et dans la période. Ça passe de comment c'est fait noir, il va 5 heures, 6 heures, 6 heures et demi. Madame docteur est avec lui. Madame est dans la machine avec lui et le tiré là. Ou d'accord, nous prenons balle là, la machine n'a perdu contrôle lui. Et la machine n'a perdu contrôle là, très mal. Et c'est à partir de là, madame elle-même l'a frappé à quatre soucis. Bon. Heureusement, il est en forme, il n'est pas si grave lui-même, donc il est rentré là quand il est après pansement. Mais c'est docteur Mackenzie Guerrier qui malheureusement, je dis, a retrouvé une situation extrêmement difficile parce que moi l'épinière là, son prolongement de cerveau qui fait dans la colonne vertébrale là, qui passait à travers la colonne vertébrale là, qui là pour alimenter toute partie inférieure corps. C'est-à-dire tout mouvement là fait avec pied, avec main, pour capable qu'il y ait des toilettes, pour gagner érection, tout bagaille ça, c'est à partir de la colonne vertébrale, la contrôle ça au bail et commande ça au bail. Et une fois que nous avons une section de moelle épinière là, donc on va procurer pour le moment, docteur tétraplégique, il gagne ni main, ni pied, ni aucune partie en balle, va veut dire rien pour lui, là, je ne veux dire. Donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Et côté que dans le pays d'Haïti, malheureusement, nous n'avons pas une structure sanitaire adéquate pour capable gérer la situation. Ça, malgré gagner en pile l'argent qui passait, qui a de permettre que nous gagnions au moins un grand hôpital standard qui est capable de faire genre d'intervention sérieux. Mais je dis, nous avons obligation pour nous capables de déplacer avec docteur et genre de déplacement sérieux. Nous faisons c'est dans avion ambulance. Avant de nous voir la docteur Espérance, et le bar a fini de passer à qui ça a pour prise en charge pour permettre que nous déstabiliser docteur Guerrier. Avant tout, l'hôpital Médecins sans frontières tout près, dans l'avenue Charles Soumer, donc c'est là où tu es allé avec lui et tu as commencé à faire les premiers soins. Ensuite,
ensuite transféré à l'hôpital Bernameuse. Pour le moment, c'est l'allié. Et puis, on a fait diligence pour que avant midi là, s'il était possible, on a traversé avec lui. Parce que genre de prise en charge, ça n'a pas fait normalement dans le pays d'Haïti, malheureusement. Et en plus de ça, Bali prend homoplate là, atteint pour mon dos. Et à partir de là, on voit que c'est drain, il est obligé de mettre pour lui, pour aller sans. Donc, c'est une situation extrêmement difficile, compliquée. Et la vie docteur est vraiment, vraiment menacée là pour le moment. Donc, c'est urgence qu'on a fait, c'est diligence qu'on a fait, puisque moyen, ça, on n'a d'accord pas disponible pour personne. Le monde pour jouer 20 000 dollars américains qui étaient là disponible pour un monde classe moyenne, n'est pas facile. Rien que pour ambulance, on ne va pas aller pour l'autre soin et que le prêt prend l'autre bois, ça, on n'a pas gagné disponible. Nous-mêmes, c'est prêt avec sur un cas où l'anti-machine, sur un cas fait clinique fonctionner. C'est prêt nous faire et prêt ça, c'est à gros tourban qui fait que n'a pas si la Kébé, si n'a résisté dans un pays qui est extrêmement difficile. Maman, comment est comment ta santé donc là, je dis là pas bon. Pas bon, pas bon. Là, pour respirer, là, c'est à l'aide de... Il n'est pas autonome dans la respiration. Là. C'est oxygène, Exactement, puisque on balle qui prend un homoplate l'entrée, il atteint les poumons, donc obligé d'absent en dedans. Donc, on a là ces drainages pour aller sans... C'est très compliqué. Ça, du coup, ça. Comme médecin, là, on balle comme ça, jeune médecin, même j'ai un coup, quatre batailles, quatre pas de bouffe faire bonne, un pays très difficile, et puis... Pendant la fête de la clinique, et puis nous décidons de tirer sous lui, et puis quand nous allons nous dire. Ça vous dit ça? C'est révoltant, monsieur. C'est révoltant. C'est soit nous tous qui sommes capables de nous bailler vague, ce n'est pas possible, nous quitter le pays, ou bien nous engager pour nous capables de vivre dans l'espace côté nous. C'est une autre. Donc, comme nous ne pouvons pas quitter le pays pour nous déplacer, donc il est important, je dis, pour nous comprendre que n'importe même, pas d'exception. N'importe qui nous là capable de mourir. Et n'a pas même monde qui dit que peut-être qu'il n'y a pas rien du tout pour perdre, ou passer au moto machine, ou être carrefour, et puis ou passer Matissan, il y a des quatre sous. Donc nous, toute la journée, capables de victimes, capables de mourir à n'importe qui. Nous avons marché avec 5 heures nous, en bas pied nous. Donc ça veut dire que nous avons obligation, je dis, pour nous changer le pays. Parce que nous avons dit que nous parti. Pati a ses bonnes solutions. Si le docteur a été madame ni l'autre bord, là je dis, il tend de nouvelles comme ça, il va pas vivre. Donc ce n'est pas parti pour nous partir. C'est engagé pour nous engager, pour améliorer les conditions de la vie de côté nier. Et du coup, nous avons contribué à améliorer la vie en bonne l'autre monde. Nous avons fait appel là, même qu'on est, si nous étapons, nous avons fait mourir là. Donc c'est ça que nous faisons appel à la solidarité pour tout le monde qui est capable d'aider. Et nous avons des numéros de compte qui ont circulé sur tous les réseaux sociaux. Que nous avons là, que nous capables de partager. Nous monde qui veut aider nous, ouais, soit font un virement pour lui. Et sous compte clinique, docteur Mackenzie Guerrier, qui c'est 210-10-21-15-45-805, ça c'est good. 210-10-22-15-45-813, ça c'est dollars américains, pour nous voir comment que nous sommes capables de supporter le déplacement ça. Parce que en principe, avant et après-midi, il faut que le docteur t'a déplacé. Et pour nous qui souhaitons aider les familles docteurs, mais information que les familles ont disposé pour suivre, nos comptes Unibank lancé, clinique docteur Guerrier Mackenzie. Numéro compte Unibank lancé 210-10-21-15-45-85. Ça c'est compte Goodlan. Et pour compte américain, c'est 210-10-22-15-45-81-3. Non compte Zellan, c'est Mackenzie Guerrier. Numéro compte Zellan, c'est 786-405-72-85. Compte mon cash et l'agent, c'est 509-37-66-45-57 et mon compte mon cash lancé Mackenzie Guerrier. Après l'incident qui arrivait, docteur Mackenzie Guerrier samedi 4 décembre, tout près clinique sous Boisvena, côté docteur Armand qui perdit la vie, complexe médical Ifata côté l'état de travail, tout décidé fermer porte lit pour un petit bout de temps. C'est même décision ça, faculté odontologie qui est dans l'université l'état prend pour fermer porte lit pour 2 jours. Faculté a dit qu'il est vraiment attristé après attaque examen qui fait sur le docteur qui est professeur dans l'institution. Faculté odontologie m'a dit autorité prend disposition pour mettre sécurité dans le pays pour citoyens capables de circuler sans qu'elle saute.
Coordinateur collectif Cap Descendant, Jean-Robert Argan, réagit sous situation insécurité pays a fait face depuis quelques jours. D'après le coordinateur collectif Cap Descendant, l'autorité a une responsabilité de combattre la crise, une façon pour la paix et la sécurité capable d'établir dans le pays. Le coordinateur collectif Cap Descendant a pris une question Serge Melindor dans l'émission Mise au point. Ensuite. La société civile se prononce, elle dit que ce n'est pas possible de ne pas continuer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'industries, d'entreprises qui ferment leurs portes, qui s'en vont. Les gens ne risquent pas. Mais là, donc, on parle des responsables de l'État. Et quoi? C'est trois choses. Ou bien, c'est une incompétence criante de ceux qui devaient s'organiser pour que la sécurité règne, ou bien c'est la complaisance au niveau de l'État, et finalement, ou bien ce serait la complicité au niveau de l'État avec ces gangs qui sont là. C'est ça qu'a fait ce nom-là. C'est ça qu'a fait. Vous pensez que ce n'est pas vraiment l'extérieur qui a mené la solution pour nous. Vous pensez que de toute façon, il faut certainement, on ne voulait pas qu'on arrive à un éclatement social qui nous pend au nez. Il faudrait que ceux qui sont actuellement en place, par la magie de la géopolitique, qu'on comprenne qu'il y a des hauts devoirs vis-à-vis de nous. Et que pas quitter nos pailles traînées dans la gêne, pour ne pas quitter nos mots, pour que nous entachés du fait d'avoir été complice de cette dégringolade. Seigneur, je sais que le pouvoir est en main. Seigneur, le pouvoir est en main, c'est pour faire. Mais pas qu'à dire, pas qu'on crie. Mais pas qu'à dire que, pas qu'on, que c'est ça qui bloquait le pays en grande partie. Il faut faire quelque chose. Il faut changer. Si vous complice ça, donc il faut organiser. Il y a des chefs de gang qu'on dit un peu partout. Que ce soit certainement au niveau de la société civile, le chef de gang, que ce soit ancien sénateur, ancien député, on dit que le chef de gang, que ce soit au niveau des gestionnaires de l'État, qui servait à gang, ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que un jour, ces armes qui sont données à ceux qui sont devenus gangsters ou bandits, parce que l'État n'a pas eu à être fait quoi que ce soit, mais ils ont choisi le banditisme. Il faut qu'on comprenne les âmes, ça, canons âmes, ça, qui aujourd'hui a contre une société civile qui est puissante, qui n'a pas de moyens, que canons âmes, ça, a pour retourner contre eux. Et c'est ça pour comprendre. Pour comprendre l'obligation pour l'IA, puisque c'est lui qui a toute manette dans l'État nommé pour changer de nom de façon que la société civile a la possibilité d'exprimer, créer un job, créer un emploi, d'ouvrir le pays. Et puis, nous avons connu le ministre Santé publique et Population, Dr Alex Larsen, installé lundi 6 décembre, Laurent Bouger comme secrétaire d'État Population avec Développement Monde. Ministre Alex Larsen, il est souhaité secrétaire d'État après le travail pour réduction de pauvreté, gestion environnement, amélioration droits familiaux et la trier. Un bout de déclaration, le micro Winel Jean-Louis avec Michel Joseph. Je vous ai déjà la portée et les responsabilités qui me comptent. Je ferai tout le possible et même l'impossible pour que ce capital ne caille pas. J'ai pris au sérieux et je mesure la portée de cette responsabilité. Je ferai toujours mon sens, et je le répète, de responsabilité, et cela devient, quelles que soient les circonstances, je respecte toujours mes obligations et accomplisse mes missions. Je n'ai pas peur, car le ministère de la Santé, la secrétaire d'État possède en son sein des cadres compétents, dynamiques, avec sens du sérieux et d'esprit d'appartenance.
je compte sur vous. Nous allons vous solliciter pour qu'ensemble, nous nous donnons au ministère de la Santé sa lettre de noblesse, sa raison d'être, son leitmotiv. Permettez que je rende hommage au fils Victor, docteur Maurice Fils-Lainville, pour le travail qu'il avait initié et que nous allons continuer. Nous citons par exemple la mise en place de l'Observatoire sur le dividende démographique en vue de la capture du développement durable. Mise en place d'une table de situation afin de rendre disponibles les données désagrégées et actualisées sur toutes les thématiques de population pour le gouvernement. Poursuivre l'agenda de CARE de 1994 en mettant l'accent sur les couches vulnérables de la population. Élaborer une nouvelle politique nationale de population après la réalisation du 5e recensement général sur la population et de l'habitat. Renforcer le système d'information des données démographiques et de santé. Et ministre des Affaires sociales et travail là, Oudney Pierre Eko, installé Génard Joseph dans poste comme nouveau secrétaire d'État pour intégration monde handicapé. Cérémonie réalisée lundi 6 décembre 2021. Génard Joseph a souhaité une collaboration toute couche dans la société dans le cadre de ce travail qu'il pourrait faire dans le bureau pour accompagner monde handicapé. Amis et partenaires nationaux et internationaux, vos contributions ont toujours été remarquables. Et j'ai saisi l'occasion pour vous garantir de ma disponibilité à poursuivre les chantiers que vous avez déjà entamés. Vous et moi, nous allons ensemble travailler pour définir de nouvelles stratégies afin de promouvoir le respect de l'intégration des personnes handicapées conformément à la feuille de route du gouvernement. Nous promettons, avec le support de notre ministre Affaires sociales et du Travail et tous nos partenaires, de renforcer les antennes départementales. Elles doivent être en mesure de recevoir et de traiter au premier degré les doléances des personnes à mobilité réduite partout dans les départements. Mesdames, Messieurs, la problématique des personnes handicapées est transversale. Elle nécessite le support de tous les autres secteurs de la vie nationale. Le bureau, sous mon leadership, travaillera étroitement avec toutes les institutions publiques et privées pour répondre à notre devoir de soutenir le secteur des handicapés. Je promets également de travailler avec le secteur patronal. J'étends déjà la main pour engager l'accessibilité des personnes handicapées à des postes selon leur mérite, selon leur capacité. Et ministre commerce et industrie, Ricard Saint-Jean, installé lundi 6 décembre 2021, nouveau directrice générale sans formation et investissement, Marie-Fatima Léonessé Prophète. Directrice générale a remercié chef gouvernement et puis fait qu'on est prêt au travail pour permettre sans facilitation à investissement. Je relis comme ça doit. Actuel numéro 1 CFIA a souhaité chaque direction dans l'institution en Jouroulio pour permettre Saint-Lan bail résultat. Marie-Fatima Léonissé pour faire dans le micro TNH. Ensuite. Ce poste en tant que directrice générale constitue pour moi une nouvelle étape dans ma carrière professionnelle. En effet,
J'ai toujours travaillé dans le domaine de la planification du développement. Et ici, au centre de facilitation, c'est une opportunité d'accompagner la mise en œuvre de ces actions stratégiques réfléchies. Mesdames, Messieurs, la mission, comme vous le savez, du CFI, organisme autonome du ministère du Commerce et de l'Industrie, consiste à promouvoir, à faciliter le développement de l'investissement privé en Haïti par la mise en œuvre de stratégies et de politiques actives de promotion des investissements, par l'encadrement des investisseurs tant haïtiens qu'étrangers dans les différentes étapes du processus de réalisation de leurs investissements. Pour cela, il est essentiel de mettre en œuvre des actions d'incitation, de promotion, capables d'encourager les investissements, capables d'attirer les investisseurs. Il s'agira aussi de faire des études, de réaliser des études sur les potentiels existants, les opportunités d'investissement vers une carte territoriale en fonction des pôles territoriaux identifiés, de la logique de la planification, de l'aménagement du territoire, du développement local et régional. Dans cette optique, il sera autant question de voir comment contribuer à la mise en œuvre de ces politiques, mais dans une dynamique de résultats. Comme vous le savez, les investissements sont un facteur de premier rang de la transformation des conditions de vie d'une société. Il est déterminant, il est fondamental pour une croissance économique, la réduction de la pauvreté. Et non seulement de la pauvreté monétaire en termes de revenus, mais surtout et aussi de la pauvreté multidimensionnelle par rapport aux effets positifs qu'il peut produire sur l'offre et la demande globale. En ce sens, mes préoccupations premières dans le cadre de ma mission et de mes attributions au CFI consistent à voir comment créer, améliorer les conditions pour l'implantation d'investissements productifs sur l'ensemble du territoire, aller à la recherche d'investissements potentiels. Aussi, les directions techniques, notamment les directions de facilitation des investissements, la direction des études et des formations commerciales, la direction de promotion, seront appelées à jouer leur rôle respectif pour des actions évidentes et manifestes dans le cadre de leur mandat. Mesdames, Messieurs, travaillons ensemble pour une augmentation des investissements productifs en Haïti. Haïti a besoin d'investissements productifs durables. Aussi, je demande à chacun de vous, de la famille CFI, de porter votre pierre pour rebâtir cet Haïti que nous chérissons tous. Et c'est en présence ministre intérieur collectivité territoriale, Litsa Kitel, représentant ONU-SIDA, plusieurs anciens et nouveaux magistrats femmes, un protocole entente signé vendredi 3 décembre à ONU-SIDA pour réduire la quantité de monde qui prend virus SIDA en Haïti. Responsable Fédération nationale femmes magistrats dit qu'il est content protocole ça qui signé. Le gouvernement haïtien dit qu'il paraît pour lui assister. Fait NAFEM, maintenant toute démarche capable de diminuer maladie SIDA. ONU SIDA Soubopal promettre pour les supporter FENAFEM dans niveau assistance technique avec sensibilisation. Pour les femmes mères d'Haïti, nous engageons à point 1. Mettre fin à l'épidémie de SIDA dans les villes. Nous engageons à tout faire pour atteindre les objectifs 95-95-95 de traitement du VIH d'ici à 2026 et ainsi à réduire rapidement les nouvelles infections au VIH et le nombre de décès liés au SIDA, y compris par la tuberculose, un chemin accéléré qui nous rapproche de la fin du SIDA en 2030. Nous engageons à assurer un accès pérenne aux tests, aux traitements et aux services de prévention. Nous mettrons fin à la stigmatisation et à la discrimination. Point 2. Placer les personnes au cœur de toutes nos actions. Nous allons mettre l'accent sur les personnes, en particulier celles et ceux qui sont vulnérables et marginalisés. Nous allons respecter les droits humains et n'abandonner personne. Nous allons agir localement et en partenariat avec l'ensemble de la société afin de galvaniser le soutien international pour des sociétés en bonne santé et résilientes et un développement durable. Avec la signature
de cette déclaration d'engagement à laquelle je viens d'assister, nous venons de franchir une étape importante dans notre lutte contre la propagation du VIH-SIDA et aussi de la stigmatisation des personnes affectées, en particulier celles et ceux qui sont vulnérables. Comme le dit la déclaration, cette riposte au SIDA, une riposte accélérée et adaptée aux besoins locaux, va entraîner une transformation sociale positive, surtout à l'aide de nouvelles technologies de l'information et de la communication. De plus, le travail dynamique des MIRES, avec le support de nos partenaires, va permettre un accès universel à la prévention et au traitement du VIH-SIDA à travers le pays et en particulier dans toutes les communes du pays. D'ores et déjà, nous souhaitons du succès à la FENAFEM dans sa noble tâche. L'engagement de l'ONU-SIDA auprès de la FENAFEM, c'est surtout de leur accompagner dans cet engagement sur les aspects à la fois de mobilisation, mais à la fois de travail d'assistance technique, mais aussi de support en tout ce qui est planification stratégique, mais générer également des évidences et des données. Donc c'est dans ce sens que l'on pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Et puis Jean-Noutier annonce le ministère qui tient la communication ensemble avec la direction générale télévision nationale d'Haïti. D'ici à gros la peine y apprendre nouvelle, la mort journaliste Jacques Prajean qui mourit dans la nuit 3 pour arriver 4 décembre 2021 à cause de problèmes cardiovasculaires. Défiancé ancien directeur général de télévision nationale d'Haïti, mais c'est tout fondateur Radio Tropical FM. Pendant la carrière Jacques Prajean, tu travailles tout dans Radio Haïti Inter, Radio Métropole, Voix de l'Amérique, Service Créole. Jacques Prajean est allé en exil après avoir arrêté quelques journalistes le 28 novembre 1980 sous régime d'Ivalia. Mais occasion difficile, ça, ministère qu'il tient à communication ensemble avec Direction Générale Télévision Nationale d'Haïti, voyez condoléances by famille, amis, ensemble avec membres de la presse en général et en particulier avec mon qui était con défunt. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez, attendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.